Salut chers youtubeurs, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Dead Space. Alors vous voyez, je n'ai absolument pas joué depuis la dernière vidéo. On se trouve dans cette sauvegarde et nous allons tout de suite découvrir ce qui se passe derrière. Alors que va-t-il y avoir aujourd'hui? Oh. Oui. Je sais pas si vous entendez ces cris. Perso, ça fait très peur. Bon, on va y aller prudemment. Ah! Oh là là, je m'y ferai jamais. Ce jeu est génial, mais oh là 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 là. Je pourrais jamais m'y faire. On est trop dans l'ambiance. Qui n'a jamais joué à ce jeu? Enfin, qui n'a... Comment dire ça? Qui a déjà joué à ce jeu? Toutes les personnes qui ont déjà joué pourront me le dire, et vous le dire sûrement. Ce jeu fait peur. Oh là. Oh non, le truc gris, je suis sûr, il doit être par ici. Attendez, vous avez entendu la musique? On aurait dit Nyan Cat. Oui, oui, clair. Avouez, on dirait Nyan Cat. J'ai peur. Ta gueule. Ouah, c'est les trucs monstrueux là. Non, des enfants. Headshot, headshot, headshot. Oh le doublé. Non, 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 non. Tu t'approches pas toi. Tu t'approches pas. Ah, et puis ça fait des coups. On fait comment lui là-bas? Bon. Voilà, ça c'est réglé. Je veux même pas savoir. Isaac, toujours en vie. On a peu de temps. Il détecte nos signaux. La mémoire vous est-elle revenue? Je me rappelle. Elle est bonne. Et il est mauvaise. Plus je me rappelle, plus j'ai des mots. Je vois toujours les symboles. Et cet homme. J'arrête pas de voir sa tête. Ils m'ont trouvé. Qui l'a trouvé? Bon, un stock, on va rentrer dedans. Hein. Point de force, voilà. Ça, ça va me servir. On peut acheter des points de force. Ce qui, personnellement, pour l'instant, ne m'intéresse pas trop. Alors, arme d'assaut ou le lance-javelot? Semi-conducteur or, on va le vendre. Semi-conducteur rubis, on va le vendre, sans regret. Alors, y a un truc que j'aimerais vous faire remarquer. J'ai 31 800. Arme d'assaut, sans regret. Le lance-javelot, on va l'acheter, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il donne. Et un point de force, on va en acheter un, histoire de dire que... Vraiment histoire de dire. Tac. Oula, des soins par contre, c'est pas du tout ça. Hein. Peut-être en acheter un. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Sans regret, oui, ça peut servir. Alors voyons. Alors, le trancheur, on l'a déjà vu. Hein. Le fusil d'assaut, exactement comme dans Dead Space. Le tout premier. Sauf que vous payez 9000 dans Dead Space. Il est beau, hein. Alors le lance javelot. Je sais pas, je m'y attendais un petit peu à la tête. On dirait une sorte de lance-roquette. Je sais pas. Un lance-grenade peut-être.
On testera ça sur un monstre. Alors, on revient au cutter plasma. Parce qu'il faudrait être des balles pour pouvoir sauvegarder. Est-ce qu'on dirait sauvegarder? On va sauvegarder et il nous faudrait peut-être des balles pour pouvoir continuer l'aventure. Donc il y a aussi quelque chose que je voulais vous dire. C'est que durant l'épisode 2, je tenais à m'excuser. C'est d'avoir enregistré l'audio après. J'aurais pas dû faire ça. Mais je suis vraiment désolé, j'avais pas vraiment le choix. Parce que j'avais quand j'ai fait la vidéo, j'avais des gens chez moi, c'était vraiment le bordel, ça gueulait partout. Parce qu'on faisait mes parents faisaient la fête avec des amis et... Voilà quoi. Comme c'était des gens un peu âgés, je voulais pas trop rester avec. Je préférais aller sur Dead Space. Et donc bah... Ta gueule. De l'argent. Hey Dana, un type bizarre essaie de me contacter. Je l'ai rencontré à l'hôpital. Nolan Strauss, ancien patient du projet, tout comme vous. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il veut? C'est un psychopathe, Isaac. Méfiez-vous de lui. Il a tué sa femme et son fils. Ok, j'ouvre l'œil. Ok, génial. Un mec me contacte, mais il a tué sa fille, sa femme et sa fille. Non, sa femme et son fils. Encore un truc, hein. Si c'est à lire, c'est pas la peine. Hein. Je vais pas le... Cette figurine là, ce que j'ai compris, il fallait faire ça pour avoir un trophée. Ah bah non. Ah bah si. C'est marrant. Ok. Ça donne pas très envie de voir ça là. Je croirais qu'elle est morte. Bon bah, en tout cas lui, hein. Enfin elle, excusez-moi. Pardon, j'avais dit que je le ferais plus. Mais c'est toujours marrant à voir. Non, je suis pas un psychopathe. Je ne suis pas comme ça, voyons. Ah, là. Attention, ici le directeur Tyne. Mon mec qui parle encore d'ailleurs d'amande là ou machin truc, le méchant. Et encore le monolithe. Un message, ouais. Toi t'es mort, c'est bon. Donc voilà, je tenais à m'excuser, hein, pendant que je fais ce piratage là, d'avoir enregistré l'audio après. Mais c'est qu'en fait, quand j'ai fait l'audio aussi, vous avez sûrement entendu, c'est que j'ai beaucoup gueulé, dit d'insultes, des putains, connards, trucs comme ça. Et je tenais à m'excuser, parce que dans ce jeu là, si vous avez déjà joué, ou si vous avez déjà eu l'occasion de jouer, vous êtes dans le noir quand vous regardez ma vidéo, essayez pour voir. Vous allez voir, c'est assez flippant. Alors en plus, avec le casque sur les oreilles et dans le noir, je peux vous dire que moi, je n'ai pas trop envie de rester. Dana, je croyais me diriger vers les résidences. On dirait un lieu de recrutement unitologue. Je me suis perdu? Oui. Il y a un vieil accès de maintenance qui vous conduira jusqu'au tour Cassini par le système de tri des ordures. Alors, vous allez voir comment je suis trop bon en anglais. Alors, discover your potential. Je sais, ça se dit pas comme ça, mais bon, je suis pas sûr. Potential ou potential. Oh, puis zut. Hein. Alors, ask, use, oh. Alors, je dirais que ça voudrait dire, allez au pif, découvrez votre potentiel. Par contre, l'autre phrase, vous chargerez de traduire, moi j'ai pas le temps. People, les gens, mind. Je sais pas, purpose. Cultivate your future. Cultivez votre futur. Par contre, j'aime pas cet endroit-là. Là. Ça. Donc, je m'excuse. Si durant ma vidéo vous avez trouvé que j'avais un langage choquant, je vais essayer de. Je vais essayer. J'ai bien dit essayer. Essayer d'arranger ça. Il y avait une porte ouverte. Allez hop. Ah zut. Oh. C'est con. C'est très con ça.
qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'ai merdé. En plus, je me dis, ouais, c'est génial, il va vivre finalement et on va pas mourir. Mais finalement, si. Alors, restez à distance. L'autre là, il sort. Non, ferme! Non! Oh bah. Là, la main dans Dead Space 1. Je me suis toujours demandé comment est-ce qu'elle est arrivée sur la boîte. Et sur la boîte, on a une... ceux qui ont déjà vu la boîte du 1, il y a une main qui se balade dans l'espace. C'est accueillant. Oui, vous avez vu, je suis pas super précis hein, côté précision, donc je vais essayer de corriger mes tirs. Ah, il y a un truc là. 1000. Quoi? Oh non. Ta gueule. Oui. J'ai dit que j'allais faire attention de pas dire plus d'insultes. Il est mort. J'ai dit que je vais essayer et effectivement je vais. Oh les griffes! Oh la vache. Donc effectivement je vais essayer de dire moins d'insultes. Hein. Mais quand vous êtes dans le jeu là, c'est. Je peux pas me retenir de dire des insultes. Désolé. Ah, et puis j'avais dit que j'avais testé mon javelot. Et je l'ai toujours pas fait. Y'a rien à récupérer par hasard ici, non? Une fois, deux fois, bon, bah y'a une porte. Ils adorent les trucs là. Bon, espérons que on ne va pas tomber sur un monstre comme dans l'épisode 1. Vous vous rappelez, dans les couloirs, on était en tenue de camisole de force et j'ai dit, ouais, on trouvera pas de monstre dans ces zones là, c'est obligé. Et on a vu un monstre courir. Ok, là j'ai peur. Je vous promets, là j'ai peur. On se croirait dans Dead Space 1 là. On se croirait dans Dead Space 1 là. Ceux qui ont déjà vu le jeu. Oh, putain d'ordure. Ah, c'est lui. Ok. Vous qui regardez ça, écoutez-moi bien. Vous pouvez récupérer les membres coupants par kinésie pour ensuite les retourner contre eux. Regardez. Regardez bien. Ouais, je regarde, je regarde. Ça fait 3 heures que je survis comme ça. Vous voyez? Retournez-les contre eux. Je me vide de mon sang. Ces salauds m'ont pas loupé. J'espère que ça pourra vous aider. Qui que vous soyez. Juste pour dire. Faire ça, je savais. Je vous promets. Alors là, il y a une porte. Porte fermée, ok. Je voulais explorer, mais... je voulais explorer. Ah tiens, je préfère ça en fait. Là ou derrière? Là. Oh mon dieu. Je vais vous dire un truc. Ça le procteur ordure. J'aurais vu ça plus différent. Un réveil. Il est midi. Non, il est pas à midi. Il est pas à midi. Non. Ça veut dire qu'il est mis, ça veut dire que demain j'ai cours. Non, la reprise. Bon. Et puis ça fait peur ce vrai quand ça bouge dans la salle. Arrêtez.
fallait faire. Voilà, maintenant il faut aller là-bas. On va améliorer. Alors, on va utiliser que 2 points de force sur 3 pour pas. Bah, des fois, quand on reste sur une nouvelle porte. Alors, il y a un truc que je veux faire. Cutter plasma. Ouais. Capacité, je vais améliorer. Parce que 10 balles, ça me fait peur. Et arme d'assaut, ce que j'utilise le plus après. Voilà. Et vous allez voir qu'il y a un bug. Il y a écrit 75 de munitions. Quand je vais prendre l'arme, normalement. Ah bah si. Étant donné que je ne suis encore jamais servi, bah voilà. Mais qu'attendez, j'ai pas de munitions. Excusez-moi. Excusez-moi, sincèrement, je suis enrhumé. Et j'ai éternué. Donc on va sauvegarder là tout de suite, hein. Encore une sauvegarde, c'est pratique. Je pense qu'on va aller jusqu'à quoi? Une petite demi-heure de vidéo, parce que après plus d'une demi-heure, c'est plus dur. Donc, ah voilà, chaque fois, c'est mon défaut, excusez-moi, faut que je vous le dise aussi. Si des fois, durant mes vidéos, vous sentez que j'ai des blancs, que je parle pas, soit c'est parce que je suis super concentré dans le jeu. Par exemple, dans celui-là, il y a de quoi. Y a rien. Je le sens pas. Ah! Oh mon dieu! Il est même pas mort! Oh mon dieu! Je pensais qu'il allait voir un truc, mais alors là, 4 d'un coup là. Mais attendez. Attendez, je rêve pas là. On a 2 bras là. On a les 2 mains. Plus 2 mains en plus là. Mon dieu. On est là. Alors ce jeu, franchement, j'ai de plus en plus peur. Sans gravité. C'est quelle touche? Ah, c'est celle-là, d'accord. Wouhou! On vole. Ah, alors là, on a des munitions. Juste pour dire, je sais pas où on va. Je cherche les. Ah! Comment ça? Comment ça, j'ai plus de place? Ah bah oui, j'ai plus de place, effectivement. Bon bah... Je pensais qu'il y aurait peut-être eu un petit point de force quelque part qui se baladerait. Mais bon, alors... Attendez qu'on m'explique. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 petites portes bleues et il faut qu'on aille... Sur celle-là? Ah d'accord. T'es mort? T'es mort. C'est marrant. Pour moi, pas pour lui. Bon, ici. Ok. C'est une zone save, on va dire. Mais ça fait quoi là? Ça aspire l'air ou ça renvoie l'air? En tout cas, ça balance des trucs. À mon avis, ça aspire l'air. Ah, le vide d'ordure. Regarde comment je cours trop bien. Arrêtez là. C'est marrant, n'empêche. Je voudrais effectivement. En évitant les cailloux. Hey, il faut que c'est gars, sinon. Ouais, si on avance trop, ça part. Orientation vers le sol.
est à environ 20 minutes. Un petit pas. Ouais, d'accord. Eh, je vous promets, c'est le truc qui me fait le plus flipper dans ce jeu. Si je fais ça, au break. Bon bah. Si je hurle, ou si je pleure, hein. Non, pas pleurer, non. Si je hurle. Je vous promets, ce jeu, c'est oppressant. Ah, de l'argent. Et de lumière. L'enjavelot. On va tester, c'est un monstre. Et je suis sûr, là, vous avez deux trucs. Il y en a un qui va sortir. Moi, j'ai peur. C'est sympa, hein. Il crame. Noob. Bon. Toi, t'es mort. Ah ouais, c'était marrant de le voir cramer. Bon, j'aurais vu le tir. Ça aurait été peut-être plus drôle. Alors, ça, on le met là. De l'électricité. On est derrière. Oh tiens, un truc de stock qui ne marche pas. Alors là, on a un verrou de force. On utilise. Mettez pas de monstre, hein. Un macabé. Semi-conducteur bronze. Genre, j'ai plus de place. Ah, j'ai de la place pour rien. Attendez, attendez que je regarde un truc. Là, c'est quoi? Mini kit de soins. Oh là 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 là. C'est que des trucs bien, quasiment. Enfin, des trucs bien. Munition, toi dégage là-bas. Alors. Alors. Module de stase. On peut le déposer. Tac, tac. C'est une appareil que je peux utiliser? Même pas. Semi-conducteur bronze. On n'a plus de munitions pour le dent trancheur. Attends, et des fois, est-ce que j'aurais pas rechargé avec? Non. Alors maintenant, des munitions de balles d'assaut. Ça sert énormément. Donc je crois que ce que je vais faire, c'est... On va déposer cette munition de javelot et on va prendre ça. Ce qui, à mon point de vue, est plus pratique. Pourquoi ça s'allume pas à ça là? J'aurais bien voulu acheter un truc. Enfin, si j'avais eu de la place. Excusez-moi, je suis malade. Oh là là, ça fait peur. Ça fait peur ce jeu, c'est pas possible. C'est monstrueux. Surtout l'ascenseur. On va dire que c'est safe. Oh, bah tiens, point de force, il nous l'offre. Pourquoi j'ai pas confiance en ça là-bas là? Oh, genre. Ah, c'est qu'une chambre. Là, lui, il est mort. Il y a des bougies. Oh non, saleté! J'aime pas des bestioles comme ça. C'est petit, c'est vicieux. Et elles sont sorties des toilettes. On dirait une église, ce truc. Bon, là, ça sent clairement. Non, on va faire mieux. On va faire le bâtard.
Vous avez vu ça? Oh zut. Il est mort ou il est pas mort? Il est mort. Wow. On dirait une église. Mais bien sûr. Ok. Est-ce que dans votre religion, vous êtes obligé de mettre des cagoules pour dormir? Des sacs poubelles. Je suis pas sûr. Oh le monolithe. On peut pas le prendre. On peut pas le casser. Alors, to join is to survive. Rejoindre pour survivre. Ça voudrait dire ça. Me demandez pas. Excusez-moi, l'anglais moi, c'est pas ça. Qu'est-ce qui lui arrive là encore? Qu'est-ce qui lui arrive? La blague, elle est morte et elle vient encore me faire chier. Elle va dire je voulais pas mourir, je voulais pas. Bah pourquoi tu t'es piqué? Je veux pas spoiler ceux qui ont pas fini le 1. Oui, elle a fait comme vous, on vous donne une seringue dans un vaisseau avec des monstres comme ça, des munitions. Vous faites quoi? Vous campez dans un coin en attendant qu'on vienne vous chercher, vous vous piquez avec une seringue. Sachant qu'une des deux solutions, c'est la plus barbare, on va dire. Recherche un stage. Y'a rien. C'est bon. Hop les. J'ai des mauvais souvenirs avec les portes. Des précédents épisodes. Et attendez. Un hélico. Putain, on voit rien. Excusez-moi. J'ai dit moins de gros mots. Mais vous avez vu l'hélico? Bordel. Et là, attendez, c'est... On est dans le même bâtiment depuis tout à l'heure. Donc en gros, tout à l'heure, quand c'était en feu, nous, on était tout là-haut. Et là, tout en bas. Donc, tous les cadavres que j'ai jetés là... Oh mon Dieu. Moins 3 ou 4. En plus, ceux qui étaient sûrement déjà là. Imaginez s'il y a une chauve-souris qui passe. Vous imaginez vous? Il s'est fait vomir dessus, il s'est obligé, vu comment il est cramé. Ok, là y'a rien. Pas des bougies. Des bougies. Ok, c'est quoi votre religion les mecs? Moi je suis pas religieux. Tu vois qu'on n'est pas religieux, on est païen, c'est ça? Bah franchement, je commence à me demander si païen si c'est pas la meilleure religion qui existe. Hein. Je critique pas les musulmans, les chrétiens, les juifs. Une sauvegarde. Alors vous savez ce que je vais faire? Bah non, vous le savez pas parce que vous êtes pas dans ma tête. Ah ah. Je vais sauvegarder là. Comme ça ma vidéo fera moins d'une demi-heure. Et j'entame aussitôt l'épisode 4. Donc je vais pas vous dire au revoir. Mais à la fin de chaque vidéo, faut quand même dire au revoir. Et en plus, le temps que l'épisode 3 sorte, qu'après je fasse l'épisode 4 avec Vegas Pro et tout, et que je vous le mette en ligne,
Il y a au moins pour 3-4 jours. Donc je vous dis quand même au revoir et à bientôt pour l'épisode 4. En gros, dans 2 minutes tant que je le fasse. Donc au revoir.